c'est une bonne journée qui s'annonce aujourd'hui. C'est mon jour de repos et je compte bien en profiter pour me reposer. Oh non, s'il vous plaît, me dites pas que... Non, c'est pas le moment, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Bon, vous savez quoi, je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Mais j'espère qu'ils sont pas venus pour nous manger, parce que là, ils ont choisi leur mauvais jour. Ouais. Il y a le grand Sonic Tape et la grande Amy Tape. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, Asuka, tu es là! On a besoin de ton aide aujourd'hui! Comment ça, besoin de mon aide? Ces derniers jours, t'as tenté de me manger plusieurs fois. Oui, je sais, mais c'est... Cette fois, c'est vraiment urgent. Ma copine Amy a très très mal au ventre. Il faut que tu la guérisses, s'il te plaît. Ah bon, Amy a mal au ventre? D'ailleurs, c'est la première fois qu'on la voit sur notre chaîne YouTube. Elle est super mignonne. Et comme Sonic, elle a une deuxième bouche à l'intérieur. Bonjour, Asuka. Sonic m'a beaucoup parlé de toi. Tu es le seul dans cette ville qui peut me sauver, Asuka. Aide-moi. Ouais, ok, ok, ça va, mais moi, je suis pas docteur. Je vais voir ce que je peux faire, mais je vous garantis rien, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un drone, et grâce à ce drone, je vais pouvoir visiter à l'intérieur de sa bouche. Attention, ouvre grand la bouche. Ah, ok, on essaie de rentrer. Et grâce au drone, on va pouvoir visualiser l'intérieur de sa bouche. Voyons voir l'intérieur de sa bouche. Oula, attendez, il y a beaucoup de mouvement là. Il y a l'air d'avoir un Sonic. Il y a plein de lits. Attendez, on est vraiment dans sa bouche là? Il doit se passer plein de choses dans son ventre. Je vais sortir et je vais lui dire tout ce qui se passe. Hop là. Ah oui, quand même. Bon, c'est vrai que Amy, il y a l'air d'avoir pas mal de mouvement à l'intérieur de ta bouche. Hein. Allez, rentre dans son ventre, Asuka. Bon, ça va, je vais rentrer dans son ventre, mais c'est juste pour cette fois. Avant de rentrer dans sa bouche, mets un like sous la vidéo, un objectif de 5000 likes et abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est parti, on rentre à l'intérieur. Wow, c'est bon, je suis enfin dans la bouche de Amy et ok, une chose est sûre, c'est que sa bouche est très spéciale. Oh, il y a plein de pizzas et tout. On dirait qu'on est dans un dortoir avec une salle à manger. On a des bébés Sonic en train de dormir, j'ai l'impression. Mais lui, il a l'air réveillé. Salut mon pote, qu'est-ce qui se passe ici? Hey, salut Asuka, comment ça va aujourd'hui? J'ai vraiment vraiment besoin de ton aide, est-ce que tu as du temps? Oui, bien sûr que j'ai du temps, mais t'as besoin de mon aide, pourquoi au juste? Hey, je savais que tu m'aiderais. Comme tu peux le voir, nous sommes dans notre chambre. Mais il y a un problème, des lits sont totalement vides, Asuka. Les bébés Sonic se sont perdus dans le ventre de Amy. S'il te plaît, retrouve-les. C'est vrai que les lits sont vides comparés à ceux-là. Ils se sont vraiment perdus dans le ventre de Amy. Mais son ventre est super grand. Comment je vais faire pour les retrouver? Je sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu peux le faire, Asuka. Allez, s'il te plaît. Bon, tu sais quoi, t'inquiète, je vais les retrouver. Mais à la fin, t'as intérêt à me donner une récompense. Bon, je suis sûr qu'ils ne doivent pas être loin. Mais avant, j'ai bien envie de leur parler un petit peu. Non, lui, il a envie de dormir, je crois. Mais lui, il est réveillé. Coucou, toi, comment tu t'appelles? Berk! Oh, mais t'as vraiment fait caca! Vas-y, c'est bon, j'arrête de parler avec toi, gros nul! Bon, dans un premier temps, je pense qu'on va aller visiter le cerveau de Amy pour voir si un Sonic se trouve là-bas ou pas. Ok, en tout cas, c'est super bien éclairé. On va aller de ce côté. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? On arrive... Oh, on est littéralement dans les narines de Amy et il y a l'air d'avoir des grosses crottes de nez là, c'est quoi ça? De la morve un petit peu bizarre et regardez, il y a l'air d'avoir quelque chose en dessous d'eux. Salut. Aide-moi être crotte de nez. Toi pas passer. Moi mangez-toi. Quoi? Comment ça toi mangez-moi? Moi mettre un coup de pied à toi, tiens. Voilà. Et je récupère cet anneau, voilà. On dirait les anneaux qu'il y a dans le jeu de Sonic. Et toi aussi, je t'ai pas oublié, viens là. Allez, coup de pied, coup de pied. Voilà, allez, je récupère ça. Et c'est super. Au moins comme ça, elle aura le nez débouché. Allez, c'est où le chemin pour aller au cerveau? Je crois que c'est par là. Ok, ça nous fait monter, on monte. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? On est dans le cerveau et il y a l'air d'avoir plein de gros Sonic. Et c'est super sale. Oh, au secours, au secours. C'est qui parle? Oh, mais...
Regardez, il y a qui tout en haut? Mais qu'est-ce qu'elle fait tout en haut de ce poteau? Au secours, à l'aide, venez me sauver! Ces gros Sonic tout moches veulent me manger! J'ai peur! Non! Je veux pas finir dans le micro-ondes! Allez, descends, fais pas ta timide! Ouais, j'avoue, on a faim, on a faim! Allez, saute, on va te mettre dans notre soupe! Eh, mais laissez-la tranquille, eh, ça se fait pas, bande de nuls! Waouh, pas besoin de me regarder comme ça, les mecs! En fait, je suis venu pour une petite visite! Waouh, il est beau ce frigo, ce micro-ondes! Franchement, magnifique! Les gars, on se calme, restez tranquille, je suis juste venu chercher mon ami, moi! Ton ami, tu dis? C'est notre repas du soir que t'as envie de manger, banane. Ouais, et personne ne va prendre notre repas. Bon, et ben finalement, je crois que je n'ai pas trop le choix. Je vais devoir vous exterminer, les Sonic. Et je vais placer un nouveau personnage, Carlo le Calamar. C'est bel et bien Carlo le Calamar de Bob l'Éponge, mais version mutant avec une grosse tête et des grosses tentacules. Regardez un peu ses yeux et son gros nez. Hâte de voir ses capacités au combat. 3, 2, 1... Bon, que le meilleur gagne. 3, 2, 1... C'est parti. Oula, attendez, il y a tous les Sonic qui lui sautent dessus. Carlo, le calamar, ok, il se défend bien, mais les Sonic ne rigolent pas, regardez. Ils l'ont coincé dans un coin. Eh, ça se fait pas, bande de nuls. J'en place un deuxième pour un meilleur combat. Bon, maintenant, Carlo le calamar, c'est à vous de tout jouer. Allez, attendez, l'autre Carlo, il est coincé dans le mur. Attendez, quoi? Comment ça t'es mort, toi? T'es sérieux, là? Le premier Carlo est mort. Allez, le deuxième, sois résistant, allez. Oula, attendez, quoi? Oh, ok, il vient de détruire deux Sonic. Un troisième? Ok, les potes, je crois qu'il est clairement sur le point de gagner, là. C'est maintenant du 2 contre 1. Allez, Carlo, tu peux le faire. Le problème, c'est que les Sonic, ils sont trop rapides. Oh, ah bah ok, d'accord, il y en a un qui vient de mourir sous nos yeux. Allez, le dernier Sonic. Oh, et c'est fini, c'est gagné. Bien joué, Carlo le calamar. Et on peut enfin te libérer, Tail. Merci beaucoup, Suka. Je dois vite aller rejoindre mes frères et sœurs, vite, vite. Oh, elle est partie et elle nous a laissé un anneau. Merci à toi, Carlo. Et on retourne dans la chambre. De retour dans la chambre. Alors, est-ce que Tail est revenu? Ah oui, c'est bon, elle est de retour sur son lit. Il manque plus que deux personnages à retrouver pour que la chambre soit au complet. Tu saurais pas par hasard où se trouve le prochain Sonic? Hey, merci beaucoup, Suka. Ma sœur est de retour. Je crois que le prochain est dans l'estomac. Vas-y, va dans l'estomac, Suka. Dans l'estomac, ok, ça marche, merci. Je crois que l'estomac, c'est par là. Attendez, on va sauter, attention. Oula, ça va vite, ça va vite. Wow, wow. Oula, what? Allez, je vais essayer de grimper sur cet hamburger. Ok, wow. Il y a pas mal de fumée et c'est quoi toutes ces plateformes? Oh, le prochain Sonic est juste ici. Attendez, je vais le rejoindre. Hop là. Ah, mais ça a l'air d'être Knuckles. Eh, hey, salut Knuckles. Tes frères et sœurs te recherchent partout, mais qu'est-ce que tu fais ici? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai une mission importante et je peux pas rentrer sans avoir fini. Ok, ok, c'est quoi ta mission? Je pourrais peut-être t'aider, non? En fait, je suis un collectionneur de pièces. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à les atteindre. S'il te plaît, récupère toutes les pièces. Eh, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais toutes les récupérer. Allez, c'est parti, on va récupérer toutes les pièces, hop. Et il y a même des petits smiling critters. Allez, on les récupère toutes. Eh, par contre, toi, tu me gênes. Hop là, toi, tu m'as gêné. Hop là, c'est bon comme ça, on peut passer, on récupère toutes les pièces. On essaye de pas trop tomber. Ici, on a Smiling Critters Tortue. Hop là, tu tombes. Franchement, ce genre de niveau, j'aime trop parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de missions avec des plateformes. Et le fait de récupérer les anneaux de Sonic pour Knuckles, ça me fait plaisir.
plaisir. Allez, hop là. D'ailleurs, notez sur 10 le ventre dans les commentaires et dites-moi la mission qui vous a le plus plu. Voilà, hop là. En plus, on a bientôt fini. Super, et le dernier, voilà Knuckles. J'ai fini, j'ai récupéré toutes tes pièces. Ouais, trop bien. Mais je crois qu'il en reste une ou deux au fond de l'eau. Au fond de l'eau, mais tu me l'avais pas dit ça tout à l'heure. Vas-y, attends, je vais voir. Ah oui, j'avoue, il y en a une ici. Ok, je pense que ça va aller vite. J'en ai vu une là, sur ce poulet. Et je crois que c'est fini en vrai, hein. Ah, oula, celui-là, j'allais le louper. Allez, c'est bon, on le récupère. Et c'est fini. Hop là, je pense que maintenant, c'est bon, Knuckles. Oui, merci. Mes frères et sœurs seront trop jaloux. Waouh, et il est parti en me laissant un petit anneau. Merci. Le chemin continue, je ne sais pas trop où il nous ramène. Je pense qu'on devrait retourner dans la chambre. Ah, Knuckles est venu. Il en manque maintenant juste un. On va essayer de le trouver. Mais moi je pense qu'il devrait être au niveau du cœur. C'est l'un des endroits qu'on n'a pas fouillé pour l'instant. Du coup c'est parti, je vais essayer de trouver le chemin en passant par là peut-être. Ça a l'air d'être par là. Regardez, il y a de plus en plus de lumière. C'est peut-être en dessous. Ah, ah, ça nous monte tout seul. Et on arrive. Oh waouh, on arrive où là? C'est quoi ça? Oh what? Où est-ce que je viens d'arriver là? Docteur Eggman! Et il est avec ses gardes! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au cœur de Amy? Oh, mais c'est pour ça qu'elle a mal! C'est donc à cause de vous! Je t'attendais! Bienvenue chez moi! Je suis en train de faire ma dernière expérience! Et bientôt le corps de Amy sera le mien! Ne t'approche pas de moi, ou sinon mes gardes te mangeront. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on va voir. Oh, j'avais même pas vu, juste derrière son pied, il y a le dernier Sonic. Et je vais m'occuper moi-même de tes gardes. Tiens, prenez ça, bande de nuls. Ils sont même pas résistants. Maintenant, viens par là. Quel adversaire je vais bien pouvoir te donner? Hey, Suka, laisse-moi m'en occuper. Ce nulos m'a enfermé ici. Et je vais me venger. Waouh! Oh, la transformation incroyable! Oh, mais je me disais aussi que tu n'étais pas comme les autres. Mais attendez, la transformation est trop stylée. C'est devenu un Sonic Tape, mais version tout jaune. Docteur Eggman, j'espère que tu es prêt. Et attention, 3, 2, 1... C'est parti! Oula, 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 Docteur Eggman est en train de mordre Sonic. Allez-y, allez-y, vas-y Sonic, ne lâche rien. Même s'il te mord... Ne te laisse pas faire mon pote. Oula, mais attendez, mais... Oh, Docteur Eggman, il est super fort. En fait, regardez toutes les claques qu'il lui met. Vas-y, Sonic, Sonic. Attends, je t'aide un petit peu. Hop, là, voilà, je te mets ici. Allez. Est-ce qu'il a des attaques spéciales, le Sonic? Oh, les potes, Docteur Eggman, il en a dans le ventre. Ça, c'est moi qui vous le dis. Regardez-le. Mais il veut pas s'arrêter, hein. J'ai l'impression que le Sonic est un petit peu timide. Allez, 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 c'est notre seule chance de gagner, mon pote. Je vais tenter de le contrôler un petit peu pour voir ses attaques. Est-ce qu'il peut aspirer? Oui, regardez, j'aspire Dr. Eggman. Mais bon, pour l'instant, le combat est trop, trop, trop serré. Aïe, 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 Dr. Eggman, il a des dents immenses. Dans les commentaires, dites-moi si vous préférez Dr. Eggman ou Sonic version tout jaune. En tout cas, Amy compte sur nous. Allez, Sonic, allez, Sonic, allez. Meurs pas, mon pote. Oh! Oui! Docteur Eggman! Ah, oula, Docteur Eggman est. Docteur Eggman est mort, mais il est devenu immense! Bien joué, Sonic! Grâce à toi, Amy est maintenant saine et sauve! On peut maintenant retourner dans la chambre! De retour, et j'ai l'impression que tous les Sonic sont sur leur lit! Ouais! Grâce à moi, Amy n'aura plus mal au ventre! Ouais! Trop trop bien! Merci, Suka! Les frères et sœurs! Ouais, ouais, c'est beau,
bon, je suis enfin sorti de son ventre. D'ailleurs, on n'est plus en ville, on a l'air d'être dans la prairie. Et devant moi, il y a Sonic Tape et Ami Tape. En tout cas, Ami, j'espère que grâce à moi, tu n'as plus mal au ventre. Et vu qu'il y a Sonic et Ami, j'ai bien envie de les faire affronter contre deux autres personnages. Les deux premiers personnages seront Dog Day et Dog Day Girl. Comme ça, ça fera garçon contre garçon et fille contre fille. Et que le meilleur gagne. 3, 2, 1... C'est parti. Attention. Ok, on a... Oh, waouh, c'est la première fois que je vois Ami se battre. Oui. Ils ont détruit Dog Day et Dog Day Girl en moins de 2 secondes. Et franchement, les amis, Ami, elle a l'air d'avoir des pouvoirs exceptionnels. C'est la toute première fois que je la vois se battre, hein. Mais bon, ce n'est pas fini. Cette fois-ci, ils affronteront le Smiling Critters Vache et le Smiling Critters Singe. Ils font partie des nouveaux Smiling Critters du chapitre 4 de Poppy Playtime. Et c'est parti, je pense qu'ils vont se faire dégommer. Bon, en tout cas, c'est parti, on va voir, hein. Oh! En fait, les attaques de Ami, ça fait des cœurs. Oh, waouh! C'est trop stylé, regardez, ça fait plein de cœurs. Ah oui, en fait, ses attaques à elle, elles sont trop bien faites. Et on a le singe là-bas qui balance des... des bananes à Sonic. Non, la vache! Bah, ok, bon, bah, la vache a été le premier à se faire manger. Et le singe, le deuxième. Les prochains sont d'immenses Godzilla, regardez-les. Ils sont super grands. J'ai hâte de voir. C'est parti, attention! Les Godzilla se dirigent vers les Sonic. Ok, pour l'instant, ils ne les ont pas vus. Ok, quoi? Quoi? Mais ils sont vraiment pas forts, les Godzilla, en fait. Cette fois-ci, c'est deux Godzilla mutants. Regardez, ils font de la lumière et tout. C'est parti, ça commence. Ils se dirigent vers les Sonic. Oula, ça bug, qu'est-ce qui se passe? Ils leur balancent des... Oh, des lasers de la mort et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les potes, je crois clairement que les Sonic, là, vont passer un très mauvais quart d'heure avec les Godzilla. On voit que Ami fait tout son possible pour essayer de rejoindre les Godzilla. Mais c'est très, très, très compliqué. Et ça bug de plus en plus. Je ne sais pas qui fait une attaque spéciale. Mais je pense que c'est à cause des Godzilla. En tout cas, je suis content d'eux. Pour l'instant, ils résistent plutôt bien à Sonic et Ami. Mais est-ce que ça va durer? Ça, je ne sais pas. Ça bug énormément. Ami a le Godzilla. Sonic en a un aussi. Ils font le tout pour le tout pour pouvoir les battre. Et les Godzilla, pareil, ils ne se lâchent pas. Mais le combat est vraiment incroyable. Notez-le sur 10 dans les commentaires. Et dites-moi si vous connaissez Godzilla. Et dites-moi si vous êtes pour Godzilla ou pour la team de Sonic. En tout cas, pour l'instant, je dirais que ça fait égalité, hein, vraiment, parce que Sonic, qu'est-ce qu'il fait là-bas, Sonic? Oh, what? Attendez, Ami arrive à les gérer toute seule. Ami les a terrassés à elle toute seule pendant que Sonic, il faisait rien. Mais en fait, les potes, je crois que Ami, elle est vraiment, vraiment trop forte. Waouh! Bien joué, Ami! Je veux un maximum de GG dans les commentaires pour Ami. Parce que franchement, je pensais absolument pas qu'elle aurait pu terrasser deux Godzilla à elle toute seule. Dites-moi dans les commentaires ton préféré et mets un gros like sous la vidéo. Dites-moi dans les commentaires le personnage que tu as kiffé le plus de toute la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka, Ami et Sonic. Ciao les potes!